attention les gars, on va jouer haut. On va jouer, ça veut dire qu'il ne faut pas que les uns les autres en face, ils aient la possibilité de nous mettre des ballons dans le dos. On y va, on prend le ballon dans la gueule, c'est pas le point, c'est pas le problème, on ne va pas mourir. Mais l'essentiel, c'est qu'on joue, et quand on a le ballon, disponibilité les gars. De bonnes dispositions et une envie de bien faire, donc Saint-Etienne est prêt pour sa première victoire en championnat. Enfin, il faut quand même jouer ce match et d'entrée, les premiers à se mettre dans le sens de la marche, ce sont bien les Verts avec leur nouvelle recrue, Marcin Kuzba. L'avançant polonais va avoir vraiment l'occasion de s'illustrer. Baudry récupère le ballon, une ouverture en direction de Kuzba, un crochet plein d'espoir. Mais à l'arrivée, sa frappe frôle le montant des buts du gardien Manceau, Pédemas. Et si la domination penche pour la couleur verte, Le Mans, patient jusqu'alors, se réveille et ouvre un œil. Et en l'absence du libéro Billa blessé, la défense stéphanoise est très friable. Fanchon alerte Thomer, libre de tout mouvement dans la surface et trompe Casagrande. 1-0. Après 18 minutes de jeu, le stade Geoffroy Guichard est plongé dans la stupéfaction. Mené comme contre Istres et Créteil, Saint-Etienne se met à nouveau dans une situation embarrassante. Une situation qui entame sérieusement son maigre capital confiance. Et que dire de ce qui suit? Une frappe de Sanson sur le poteau. Le ballon revient dans les pieds de Franchon qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. 8 minutes après l'ouverture du score, Le Mans mène 2-0. Le public stéphanois, lui, replonge, mais cette fois dans la consternation. Sans oublier de noter que Sanson, 2 minutes plus tard, rate le 3-0 d'un coup de tête trop décroisé. Déboussolés, les Verts tentent bien de réagir. Baudry, sifflé par le public, continue à distiller tout de même de bons ballons en profondeur. Du coup, l'espoir renaît quand Kuzba, seul face au gardien sartois, mais celui-ci détourne du visage le ballon en corner. Pédemas reste à terre un bref instant, mais en réalité, ce sont bel et bien les hommes d'Alain Michel qui sont KO debout à la mi-temps. Ce qui tracasse bien sûr le président Alain Bompard, on imagine aussi l'ambiance dans le vestiaire stéphanois. Bah, il nous a secoué un peu, donc maintenant ce qu'il faut c'est essayer de tout faire pour au moins marquer un but, pour déjà remettre notre public dans la poche, parce qu'ils grondent et c'est normal, et maintenant après un but, vous savez, ils vont pousser derrière, tout peut changer. Jérémy Jeannot, le gardien remplaçant de Dominique Casagrande, lui restera sur le banc, mais à la reprise, Alain Michel donc apporte pas mal de modifications, Baudry est sorti. Endur recule, Elboui glisse enfin, bref, un nouveau visage pour Saint-Etienne. Et les occasions se succèdent, mais sans succès. Et quand ce n'est pas Pédemas, c'est le poteau qui sauve Le Mans sur ce coup franc d'Elboui. Les Manceaux gèrent leur avantage de 2 buts en attendant peut-être un contre et la balle de 3-0 comme ici. Mais Chariaras bute sur Casagrande avant que Diawara ne sauve l'essentiel. L'essentiel étant bien évidemment pour les Verts d'inscrire ce premier but synonyme d'espoir. C'est finalement Elwick qui provoque cette étincelle. Sur ce centre, à l'arrivée, Rodrigão se jette et de la tête réduit le score 2-1. Au passage, c'est son premier but dans le championnat français. Il reste 15 minutes aux Verts pour tenter d'arracher le match nul. Saint-Etienne soutenu par un public extraordinaire. Les Verts pilonnent cette défense du Mans. Le ballon passe et repasse devant les buts de Pédemas. Impeccable ici sur sa ligne. En définitive, c'est Endur qui décroche le pompon avec ce coup franc magnifique de dosage. Le ballon vient mourir dans la lucarne à 1 minute du coup de sifflet final dans une ambiance hystérique. Endur, le récidiviste, déjà buteur important à Créteil le week-end dernier. 2 buts partout, on en restera là. Les Verts peuvent souffler maintenant, mais c'était moins une, comme on dit. Vu la physionomie du match, c'est vrai qu'on peut dire ouf. On se met encore en difficulté tout seul en première mi-temps, en prenant. Perdre leur couleur légendaire.